Salut à tous, c'est Vinsky. Vous savez, je fais beaucoup de crossbar challenge sur ma chaîne YouTube, ce n'est plus un secret pour personne. En fait, je me suis dit, si je cumulais toutes les vidéos où j'ai fait des crossbar face à des joueurs pro, qui gagne? Moi ou les joueurs pro? T'as compris un peu le principe? T'as compris? Je vais compter en direct parce que pour le coup, je ne sais vraiment pas qui gagne. Là, j'avoue qu'il y a une pression. On est aujourd'hui à Lyon avec Eugénie Le Sommaire, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, Eugénie, c'était l'une des premières professionnelles que je rencontrais sur ma chaîne YouTube. C'était à Lyon, je me rappelle. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais Eugénie, très cool. Maintenant au tour de Génie, c'est parti. Moi j'en ai mis 0, hein. Bon, elle va mettre une barre dès son premier essai. Bon, comment dire que c'est assez cheaté? Premier essai, boum, elle touche la barre, c'était assez impressionnant. On passe maintenant à Sergio Ramos. Mon premier vrai crossbar, avec les ballons arrêtés et tout. Estás listo para dar el larguero? La precisión para ti. Importante, pero prefiero gol que larguero. Demasiado fuerte. Demasiado fuerte, si. Ça se rapproche petit à petit, hein. Je me souviens qu'à ce moment-là, il a voulu grappiller une petite barre. Alors, est-ce que les gens avaient donné vainqueur là-dessus? Regardez là, Algeria Power, ouah, le truc de ouf. T'as joué avec Sergio Ramos, genre ce mec. La prochaine avec Ronaldo. Ah bah c'était prémonitoire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour moi, il avait pas touché, super vidéo. Un point pour moi, le premier. Para Sergio. 1, 2, 3, 4. Hey, il marque toujours les dernières minutes, c'est comme ça. Il est comme ça. C'était la saison dans laquelle Sergio Ramos marquait tout le temps en fin de match. 2-2, Vinsky, joueur pro là, attention, c'est chaud. Et on arrive à la fameuse vidéo qui a changé énormément de choses pour moi. La vidéo face à Cristiano Ronaldo. L'accent est très mauvais, faut que j'arrête de faire ça. Hi Ronaldo. Hello. Thank you very much to invite me in your house. I propose you to begin with a crossbar challenge. Okay. Because I did one with your friend Sergio Ramos and I won. Well, I don't know with you. It's going to be maybe because you are a striker. Let's go. Okay. Là j'avais la pression, surtout que je dois parler anglais, qu'il n'est pas en ta langue natale et tout. T'as Ronaldo à côté de toi, mais bon. Celui c'était comme si c'était un pote du club, un pote du Vinsky FC là, qui est à côté de moi. Il est un peu au-dessus des joueurs avec qui je joue d'habitude. Mais bon, à part ça, qu'est-ce que ça change? Ouf. Ok. Ça, je me souviens que je l'ai battu, mais je sais plus exactement combien par contre. Oh là là. À ce moment-là, je me dis, ça va être très compliqué de revenir. Je suis à l'extérieur, ça on le répète pas assez, je suis à l'extérieur. On lui compte qu'une seule fois, bien sûr, mais avec les rebonds, on lui voulait dire deux fois, c'est genre deux fois deux points. Les mecs, ils veulent grappiller des points partout. Ok, un peu de pression, là. Allez, bien. Ok, the last one for me. Yeah. C'est vrai que j'avais oublié ça aussi. J'ai gagné dans le temps additionnel parce que on a fait 3 essais chacun. On a touché une seule fois. On s'est donné un essai de plus. Ok. Et là il se dit, il va pas la toucher. Ok. You win again. Dans sa tête, il s'est dit, il a battu Sergio Ramos, il faut pas que je perde, sinon ça va faire Sergio Ramos. Ok, je prends l'avantage. Alors là, on passe à Marcelo. Comment dire? Ça s'est pas passé comme prévu. Cristiano Ronaldo, on one with Sergio Ramos, and I did a cross match with them. And I won. Wow. Maybe I was lucky, I don't know. Waouh! J'ai comme il le dit. Il est choqué, mais pas trop non plus. Maybe I was in my best day. And today, I want to try with you. Maybe the third Real Madrid player I can maybe won in this game. It's possible. So it's okay for you to try to. No. Yeah, yeah. Pendant quelques secondes, je me suis dit, mais il est en train de refuser la vidéo en direct. Enfin, Marcio, c'était très drôle, très technique, très gentil, la bonne humeur. Brésil, quoi. Brésil, on connaît. You want to begin? No, you. Okay, good stuff. First try. Donc là ça va être le début de la fin. Là il voulait vraiment vraiment gagner. Parce qu'il savait que j'avais battu Ronaldo et Ramos. Des fois il y a des jours t'y arrives pas. Il y a des jours c'est pas ton jour, t'y arrives pas, t'arrives pas à les mettre. Il y a des jours de toute façon que tu tapes et limite ça a tiré par la barre, tu vois. Et là ce jour-là j'étais vraiment pas dedans. Okay. Et là il commence avec les coups du foulard.
Il recommence avec la déconcentration. Il a trop envie de gagner. Ça va bien? Très bien, tranquille. Tranquille. Plus moi? Ouais, merci. Ou dos ou... Ok, quel. Ok. Oh! Oh non! Dos zéro. I won. Putain, j'ai pas eu de chance quand même. Après avoir battu Sergio Ramos, puis avoir enchaîné avec une victoire face à l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, Cristiano Ronaldo, j'allais perdre. Et ouais, je me suis pris 3-0. Et en plus, il marque un coup du foulard. Il est trop fort. Il est trop fort. Il y a 6 à 4 pour les pros. Et là, je vais affronter Bafétimbi Gomis. J'avais été le rencontrer à Galatasaray, à Istanbul. Hyper cool, j'avais déjà dit dans une vidéo, hein, mais très 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 cool, Bafétimbi. Il y avait plusieurs exercices, dont un, j'affrontais au crossbar. C'est la première fois que je viens ici. Il fait très chaud, hein. Il fait très chaud. Honneur aux visiteurs. Je pense que tu vas la mettre la première et je vais... Attends, il fout la pression. Allez, on va essayer. Ça, c'est une stratégie hein, qui est assez souvent utilisée par les pros, hein, mettre une petite pression comme ça. Ils savent que nous, on n'est pas des pros. Peut-être qu'on boit un peu moins la pression qu'eux. Oh, ouais. Je suis pas loin à chaque fois en tout cas. Trop fort je pense. Oh. Alors moi pas assez fort, toi trop fort. Ah non, même pas cadré. Je la sens bien celle-là. Désolé. Hein. Je crois qu'en plus il la touche. Aïe aïe. Oh. Ouais. Touche non. Ouais, elle est fleur. Il ose pas dire, mais ouais, je l'ai touché, mon pote. Il annonce avant qu'il va toucher et il touche. Oh là là, c'est chaud. Là, je commence à me faire distancer. Oh là là, elle est belle. Oh non. Putain, je revis le truc, tu vois. Je sais même plus combien j'en ai mis. Elle est belle. Ah non, comment? Parce qu'elle est un peu trop fort. Faut plus qu'il marque, là, faut plus qu'il marque. Faut plus qu'il marque, allez. Oui. J'ai envie de gagner, j'ai pas envie de me faire distancer. Oh, il la touche. Putain. Oh, il la touche. C'est pas mal. Tu es officiellement meilleur que Cristiano et Sergio Ramos. À chaque fois, je répète mon palmarès. J'ai pas dit Marcelo. J'ai pas dit ce qui s'est passé. Premier défi, c'est là-bas, c'est le classique. Et je suis très fort normalement là-dedans. Attention, c'est le crossbar challenge. Léo Dubois, au parcours elle en plus. Là, je suis encore une fois à l'extérieur. C'est le premier arrivé à 3. Sans moi, on attend un peu de s'échauffer. Et apparemment, il veut direct commencer. Si on touche le poteau, c'est pas bon. Non, ah, par contre, non. Allez, une barre seulement, la règle est bien précise. Non mais dis pas ça. Non mais voilà, non, mais là j'ai dit que j'étais bon, j'ai dit que j'étais chaud. Là c'est horrible, c'est le pire cas. C'est quand t'annonces que t'es chaud, c'est ton exercice, tu te sens bien là-dedans et tu te prends un 0 dès le premier essai. Là psychologiquement c'est compliqué. C'est la première fois qu'il touche le ballon de la journée quasiment. Ouais. Ah quand même quand je fais un peu un débrief de ces crossbars et tout, je suis quand même jamais trop loin quoi. Je frôle à chaque fois la barre. Dis pas ça. Non mais attends, mais n'importe quoi. 2 sur 2. Oh non, non, je suis plus dedans, il m'a déconcentré. Pourquoi tu t'écroules? Ils savent gérer la pression, là j'étais plus dedans. J'arrivais plus, tu vois, psychologiquement il m'a sorti de mon match. Il va louper. Yes, allez, je peux le faire. J'y crois moi, dehors. Je sais plus s'il la touche là. Ah non. Parle à tes fans. Avant de tourner avec Léo Dubois, j'ai tourné avec Eugénie dans un premier temps. Vous allez voir comment s'est passé cette vidéo avec Eugénie. J'ai eu la grâce du dieu du crossbar challenge, il n'existe pas mais on va dire qu'il existe. Je réussissais tout. Est-ce que je vais réussir à revenir? Et c'est parti, et là, c'est parti. C'est un truc de ouf. Oh, celle-ci. Je les enchaînais. Oh mais il s'est entraîné ou quoi? Allez, je reviens. En plus, quand je la vois partir, je sais qu'elle y va. Je suis plus qu'à 1 point 2. Oh, dommage. Allez. Oui, allez. Bon, là, elle touche. Oh, alors là, pour l'instant, il y a 12 pour les pros et 11 pour moi. C'est hyper tendu. En plus, je crois qu'il reste plus que deux vidéos. C'est celle d'Alain Saint-Maximin et de Ben Yedder. Est-ce que je vais réussir à remporter la victoire? J'ai la pression, je vous jure. J'ai pas envie de perdre. Ah ouais, alors là, ce qui est encore plus particulier, c'est que on n'avait pas le même nombre d'essais. Moi j'ai fait 5. Et après, j'ai fait 1, putain 6. Et lui il avait combien? 4. Ok, bah s'il fait 2 par exemple. Oh, il y en avait 8, putain. Oh, et t'as 2 essais de plus que moi, donc t'as quand même plus de chances de gagner. Ok.
2. Mais la pression en mettant un 2-1. Attention, on va voir s'il marque les deux, il gagne. Putain, pourquoi il y a 2 Z de plus? Aïe 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 aïe. 2-2 à 2. La barre, mais malheureusement, on l'a pas en direct. Je l'ai compté. Ouais, pour moi, c'est donné. C'est vraiment réel tout ce qui se passe, donc c'est d'autant plus plaisant. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. T'as vu, j'étais plutôt bon au crossbar, c'était ouais, pas pour mentir. Il y a des joueurs qui pensent qu'on fait beaucoup de montage, on truc et tout. Du coup, le fait qu'ils voient que, bah non, en fait, j'étais vraiment chaud au crossbar challenge, j'ai marqué mes 2 crossbars pour commencer. Il s'est dit que c'était pas du fake, comme il dit, et bah, ça m'a fait plaisir. Sur ce coup-là, j'avoue que ça m'a fait plaisir. C'est maintenant que tout va se jouer. La vidéo face à Beignet d'air. C'est Green Sky, et je me retrouve aujourd'hui avec Wissam Beignet d'air, ici, juste à côté de Monaco. Comment tu vas? Ça va, très bien, et toi? Ok, premier essai. Oui. Il se demandait à quel point j'étais chaud ou pas, tu vois. Donc la première essai, boum, je la touche. Il se dit, ah ouais, là va falloir sortir le grand jeu pour essayer de gagner, quoi. C'est plus difficile. Eh, mais c'est un truc de fou, hein. Voilà. Deuxième essai. Oh. Troisième essai pour moi. Ah oui, le truc avançait pas, mais c'est 2-1. 16 à 15 pour les joueurs pro. Faut pas qu'ils touchent. Pour moi. Faut pas qu'ils touchent. Faut pas qu'ils touchent et que je retouche. Je bouge sur le crossbar. Ah non, non. Ah, dommage. Est-ce que j'ai touché? Est-ce que j'ai touché? Je me souviens plus. Oh. Oui. C'était très très faible. Eh, du coup, ouais, le dernier essai marche, ça sert à rien. Non. Mais quand même, vas-y. Non. Je suis perdant, moi. Oula, oula. Il y a la vidéo, donc il se dit, faut que je sois pro et tout. Et en même temps, il est très mauvais perdant, donc il a pas envie de continuer ce qu'il sait qu'il a perdu. En tout cas, c'est incroyable. Il y a match nul. Il y a 16-16. C'est incroyable. Il faut que je rencontre à tout prix un joueur pro ou une joueuse pro pour voir si j'arrive à passer devant. En commentaire, c'est maintenant. Dites le joueur ou la joueuse que vous voulez que je rencontre. J'essaie de contacter quelqu'un. Je sais pas, ça me donne envie de faire une vidéo là, parce que je peux pas rester à 16-16. Je vous laisse écrire en commentaire, c'est assez fou. Peace and game, il oublie pas fait, c'est bien. Le foot, c'est mieux. Le crossbar challenge, c'est stimulant. On rigole beaucoup. Voilà, vidéo terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Je suis pressé de voir qui vous proposez dans les commentaires pour ce fameux crossbar qui va déterminer qui est le meilleur entre moi et les joueurs pros. Sinon, t'as 2 autres vidéos à regarder. Et si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner et activer les notifications. Allez, peace.